c'est qu'il j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite sur Nexus RP. Il fallait que je vous parle de 2-3 trucs avant, deux petites informations importantes. Puisque déjà j'ai changé de logiciel de rec parce que avant j'utilisais Fraps, là je suis passé avec Nvidia HR en fait, leur système de rec. Parce que en fait c'était trop lourd. Pour vous dire, la fois dernière, les épisodes là que vous avez vu de Arc, c'est un seul et même épisode que j'ai découpé en plusieurs parties, et en rec avec Fraps en fait, dites-vous que sur 6 heures de vidéo, la vidéo elle fait plus de 800 gigas. C'est hyper lourd et j'ai un disque dur d'un téra en rec, donc du coup c'est hyper lourd. Donc comment j'ai fait? Alors attendez, j'ai changé du coup mon logiciel pour que ça soit moins lourd, donc on va voir en termes d'image ce que ça donne. J'espère que ça va bien donner. J'ai fait des petits tests, normalement ça va aller. Donc les petites modifications qui ont été apportées aussi, important. J'ai décidé aussi de ne plus mettre ma webcam, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une meilleure immersion du jeu quand on met pas sa cam, sachant que c'est du RP. Après dans les futurs lives sur Twitch, pourquoi pas, là je mettrai ma cam, mais là du coup j'ai décidé d'enlever la webcam. J'ai pas arrêté pour autant les autres vidéos, vous inquiétez pas, ça va reprendre par la suite, mais là c'est vrai que ça me prend énormément de temps Nexus RP. Donc après, dans le jeu, donc le moshop, bonjour, tu es passé dans la vidéo, bonjour. Donc du coup ici on a la petite maison, on a fait ici un petit comment je pourrais dire, une petite terrasse zen, tranquille, regardez, une petite terrasse comme ça, là ça fait tout propre. Ici on a toujours les dinosaures en vente, le petit système d'entour. Ensuite ici donc on a la maison, là on a la grange, regardez je vous montre, j'ai reçu un peu, hop, là on a l'infirmerie. Donc là c'est l'architecte qui nous l'a posé, il faudra que le Royaume du Nord nous refasse les droits là, parce que du coup elle peut pas nous appartenir pour le moment. Donc là voilà, c'est tout bien, c'est tout mignon. Là ici maintenant on a une serre, parce que c'est le métier de Nosfée, et dans l'agriculture, donc du coup c'est son métier. Ensuite là-bas on a d'autres... Alors attendez, je vais vous montrer un truc par contre, faut que je vous montre un truc. En fait, là-bas, on a fait de la bonne chasse, on a eu des tilacoléos. Parce qu'en fait, les tilacoléos en fait, n'étaient pas implantés sur le serveur, et, ou du moins, il y en avait très peu, je sais plus. Et en fait, ils ont été implantés hier, et avec Anto, on a tracé de ouf pour aller les checker. On en a trouvé deux, dont un qu'on a vendu. Ça, c'était un petit que j'ai fait. Ça j'ai fait un petit en fait hier, ça c'était la femelle, et là on en a une autre. Alors ici regardez, regardez-moi cette petite gueule. Vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les présenter. Ils me font, qu'est-ce qu'ils me font peur. D'ailleurs, en fait, pour il y a certaines personnes peut-être qui se demandent pourquoi on appelle ça une vache en fait dans le RP parlant. C'est pas moi qui ai décidé ça en fait, c'est tiré d'un délire avec les flics et le roi. Et en fait maintenant ils disent que c'est des vaches, même si moi je suis pas d'accord. C'est pas des vaches pour moi, ça a pas une gueule de vache. RP parlant, pour moi ça a pas l'aspect d'une vache ça. Après voilà, c'est du RP, voilà, et c'est pas à nous de décider. Donc voilà, et maintenant je pense qu'on va pouvoir passer au RP, c'est parti. Oh bonjour. Eh hey, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et... Ça va très bien et toi? La porte dans la gueule. Ah ça va Tony? Oui ça va, moi ça va. En squad, la jolie petite serre. Bah écoute, bah c'est magnifique, tu me fais visiter par contre, j'adore hein, c'est magnifique hein. J'adore les petites fenêtres comme ça et tout. Oh bah tiens, elle est plus dans la piscine elle. Oh putain, elle est toujours à poil un coup sur deux hein. Ouais, puis à côté on a l'autre là qui nous fait le fertilisant. Oh pose caca. Et il en a fait une prune là. Après ici on a le fût de bière pour la madame. Ouais. Ah ouais, pas mal. On a la bière. Pousse-toi toi. Incroyable celui-là, mal poli. Bah dis-moi donc, attends. Oh, t'as rajouté une autre fontaine. Bah c'est bien ce que t'as fait. Ouais, ça faisait sympa. Ça apaise. Ici. Oui, ça va. C'est vrai que ça va super bien. Dis donc, on a bien évolué au niveau de l'aspect du village. C'est vachement joli. Ouais, je suis juste déçu. Pour le moment, je peux pas remettre le plafond de la serre. Oh non, pourquoi? Parce que si je le remets par-dessus, on perd l'effet de serre et on peut pas profiter de celui-ci pour le moment. Ouais, bon bah laisse, hein, vaut mieux alors. Bah vas-y, entre hein. Juste devant toi, t'as le plan de carottes. C'est marqué, tu peux pas te tromper, il y a les petits panneaux en face. Ah ouais, il y a des petits panneaux et tout. C'est bien fait ça. Ouais. Juste ici, t'as les patates. Les patates, ouais. En plus, j'aime bien là, ça, manger des patates. T'as les petites citrouilles. Ah, dis donc, elles sont belles. Ça bon, pousse ça, vite, hein. Ah ouais. Un peu plus loin, ici t'as les champignons. Les champignons? Les champignons, ouais. Pas mal. De là, t'as le maïs. Oh, oh dis donc, vous n'avez pas chômé, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça? Ça ressemble à quoi ce truc-là? C'est quoi ça? Ça là? Ouais. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais... Tony, tu sais ce que c'est ce truc-là? Pas trop ce que c'est, mais apparemment ça a l'air d'être... Il y aura un petit arbre. Ouais, c'est du yucca, ça peut remplacer pour les escargots le cake. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Là, c'est quoi ça? Ici, c'est de la soie. La soie. Oh, pas mal. Alors là, vas-y, bah je te laisse faire, vas-y. Montre-moi, vas-y, dis-moi. Juste ici, c'est marqué. C'est du blé. Blé? Ah oui, j'ai pas mes lunettes, tu sais que c'est le bordel ça à chaque fois. Du blé. Et ça, on va pouvoir faire de la farine. Oh, pas mal. Juste à côté du blé, t'as le tabac. Ah, bah le tabac, je connais bien ça, oui. Juste à côté ici, t'as le citron. Ah, un peu plus loin ici, et bah, je dois sûrement connaître. Ah bah oui, ça c'est de la weed. Ouais. Ah ouais, ça j'en fumais ça. Ça j'en ai fumé avec mon pote Gizzy ça. Ça, ça déboîte. Ah bah nickel. Bah écoute, vous avez pas chômé. C'est magnifique. J'adore comment ça a été mis en place. Bah dis donc, on voit le mammouth d'ici, c'est impeccable, on a de la vue. Eh ouais, et quand ici ça sera en... ça aura bien avancé, je remettrai le plafond. Ah ouais, pas mal. Attends, Kira. Ouais. Tiens, petit cadeau. Oh, ça me fait plaisir ça, Thomas. Allez, à la vôtre. Ah bah, à la tienne. On a même réussi à reproduire le Space Cake de... Ouais, Gizzy. Oh, ça faisait longtemps. C'était bien, c'est bien, ça fait du bien. On se sent plus léger. Ah, ça donne un coup de fouet, hein. Ah non, ou un coup de mou, hein, ça dépend des gens. Ou un coup de mou, ouais. C'est moi le problème, c'est que ça me fait bailler ce truc-là à chaque fois. Ah oui, effectivement, c'est pas un coup de mou que ça te donne. Ah ouais, ça me casse, du coup, bah je suis détendu après, je suis tranquille. Ah. Ah, ça s'entend. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ça dure pas longtemps, hein. C'est juste le temps que ça se dissipe un peu. Je te les ai préparés parce qu'on a un petit qui a besoin d'être fait avant de la vendre, parce qu'elle est réservée, mais j'aurais bien voulu qu'on fasse un petit avec elle avant de la vendre. Ah, bah écoute, c'est parti. Attends, je vais te faire un petit tour d'abord, parce que j'ai deux trois trucs à te montrer. D'accord, bah écoute, oui, pas de soucis. Ici, j'ai mis le tableau des prix, pour les bêtes qu'on reproduit. D'accord. Comme ça, les gens sont au courant et puis ça peut nous aider, nous. Ensuite... Là, j'ai mis toutes les bébêtes en vente. Allez, tu les mets en vente, les chevaux. Ouais, ceux-là, je les mets en vente. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire un petit avec lui, il est beau. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a que des femelles, de nouveau. Mais non. Non, on avait un mâle. Ah oui, bah on pourra peut-être essayer de faire un avec lui. Bah oui, juste une seule portée, tu vois, avant de... Ensuite, j'ai rajouté quelque chose dans la maison. D'accord. Salut Rocky. Attends. Rocky, elle pond, mais à une vitesse impressionnante, quoi. Ah ouais, non, mais Rocky, c'est Rocky, hein. Ça envoie de la patate, une machine à pondre, hein. Bah tiens, mais reviens, toi, mon petit. Ensuite, ici, j'ai fait ceci. J'ai mis des coffres par personne avec dedans les contrats. Tu vois, par exemple, si tu ouvres ton coffre, tu verras que tu as déjà un contrat en attente pour une reproduction. Je vois que c'est écrit 500 PO, 10 ans. Ça veut dire quoi? Bah, c'est la vente en fait, c'est ce que j'ai mis sur le panneau en fait, c'est 50 ans pour tranche de 1 an. Donc là c'était 500 ans pour les tranches de 10 ans. Donc, par exemple, ils voulaient un 165 face fois 500 PO, ça nous fait du 8250. D'accord, ok, ça marche. De toute façon, le temps que je m'occupe des petits qui grandissent, je pense que tu... De toute façon, tu fais quoi, toi? Nous, on pensait aller dans le sud. Ah ouais? On voudrait aller prendre un permis pour chasser et ramener des tornidragons pour pouvoir les élever. D'accord, ok. Et des gerboas aussi. Oh là 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 là, oh ça serait top ça. Mais écoute, hé, Tony, fais attention à toi et Thomas, hein, tu sais que par les temps qui courent... Ouais, t'inquiète pas. Oh bah je te le dis, Ensuite, ici j'ai un peu déménagé, j'ai un peu fait le vide. Ah ouais. Regarde, et j'ai tout mis là-haut là. L'atelier est au complet ici. Ah ouais, c'est pas mal comment t'as fait. Puis du coup, ben là, c'est le coffre-fort avec tout ce qui est important. Tu peux regarder dedans, on s'en sort un peu mieux. Ah ouais, ça va mieux que hier déjà. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai fait 3-4 ventes aujourd'hui déjà. Ah ouais? On renfou les poches. Oh là 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 là. Tant mieux, ça nous fait du bien. Ouais, on a vendu deux vaches, enfin deux chats, deux chiens quoi. Ah bah tiens, regarde, ça c'est pour toi. Oh, putain, mais tu veux ma mort, tournée. Oh la vache. Oh 3. Attends, je vais goûter. Ah bah attends, les bouffe pas les 3 d'un coup, hein, j'en veux bien si tu peux. Ouais. Trop tard, elle les a déjà mangées. Ouais, t'inquiète, attends. Non, non. Merci. À la vôtre. Putain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh punaise. Ça détend. Ah bah ils sont pas mal hein. Ah ils ont du goût. Je m'en sens plutôt pas mal. Ah ouais pour un débutant. Ouh ça. Là faudra que je te donne une idée de recette pour qu'il tabasse un peu plus. Alors à part le tilacoléo, est-ce que j'ai de la reprod à faire? Là j'ai vu le loup. J'ai autre chose à faire ou pas? Tilaco, loup et Yann du coup. Chat, chien, vache. La vache. Et c'est ça, un girafe, éléphant, on n'a pas fini. Bon bah écoute, je vais faire ça. On va pas tout faire les animaux non plus. On a assez de viande là parce qu'il faut que je vérifie les stocks, hein, les copains, parce que si vous partez dans le sud... Ouais, on a fait suffisamment de viande. Oh putain! C'est quand même des beaux... Toi, il y a quand même un beau âge quoi. Oh non! Je fais crever à jour dans la carrière. Excusez-moi. Oh là 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 là. Je vais pas tenir, moi je le sens, je vais pas tenir. Oh mais si. Oh, vous savez. Bon bah du coup je suis désolé, je vous laisse avec Kira, on a un petit truc important sur le feu, donc on trace vite fait. Pas de soucis. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bah venez donc, rentrez donc. Comment vous allez? Bah ça va et vous? Ah ça va, ça va, je viens tout juste d'arriver, vous voyez. Ah. Quelle journée hier, je vous parle pas de la journée d'hier. Parce que alors là j'ai des commandes. Du coup, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des vaches qui sont parties et moi j'étais pas là. Donc là en fait aujourd'hui je dois faire, bah là je le fais tout de suite, vous voyez. Donc alors, attendez, je lance tout de suite vite fait. Je dois faire des petits loups, des petites vaches. Donc je les fais tout de suite. Hein. Là c'est, là je les lance, ils sont tous partis justement. Il y a quelqu'un. Oui il y a quelqu'un. Attendez, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Ah bah rentrez, allez-y hein. Vous allez bien? Ah très bien et vous? Ça va, ça va, ça va, je vous remercie bien. Alors qu'est-ce que vous faites de beau par ici? J'étais venue vous voir parce que je cherche un tigre à dents de sabre. Ah, des tigres à dents de sabre, alors attendez, bah venez par là. J'aime beaucoup votre chapeau. Le problème c'est que je peux pas en mettre moi, avec mes cheveux ça va pas. Bon alors là je suis en train de faire des reproductions. Hein. Alors là il y a la maman louve qui est enceinte. Il y a la petite vache qui est enceinte et du coup la maman tilacoléo aussi qui est enceinte. Donc en loup. Alors où sont-ils? Où est-ce qu'il m'a rangé encore tout ça Tony? Oh là là. Donc est-ce que vous voulez un bébé ou sinon un grand directement? Parce qu'on en a un en vente, je vais vous le montrer. Donc il est juste ici, voilà. Alors lui, il a 76 ans. Donc est-ce que vous en cherchez un petit d'abord pour commencer ou vous en cherchez tout de suite un costaud? En fait, ça dépend de... Excusez-moi, j'ai eu un petit souci, j'ai pas entendu. Je disais que ça fait que quelques jours que je suis là, du coup, vraiment pas beaucoup d'argent et ça dépend de... Ah ouais, oui, mais je comprends. De toute façon, il faut savoir que pour information, on les fait du coup... À moins 50, alors attendez, je sors mes petites notes, je calcule, attendez. Je vais vous dire celui-là combien ça coûte du coup. Et par contre, pour information, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour avoir ce type de tigre à dents de sabre et tout ça, en fait, il faut une licence, par contre, pour pouvoir vous balader. C'est pas nous qui la mettons en place, hein, mais c'est le royaume qui la met en place, justement, parce qu'on n'a pas le droit de se balader avec ça sans licence. Bien au courant. Donc vous êtes au courant? Ouais, je prépare tout, genre. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok, bah... Alors attendez, je fais mes petits calculs au niveau du prix, attendez. Alors du coup, vu que c'est à moins 50, bah justement pour les personnes qui viennent d'arriver, celui-ci avec son âge, ça fait 2000. Ah, ce serait parfait. Ça serait parfait pour vous? Ah, ce serait vraiment... Ouais, ce serait parfait. Ah bah alors, 2000, alors c'est bon. Par contre, du coup, au cas où, si pour les selles, au cas où, si vous voulez, il y a monsieur, je sais pas si vous êtes au courant, il y a monsieur Latour. Qui s'occupe de faire les selles et elles sont de très très bonne qualité, elles sont meilleures qu'une selle banale et elles sont moins chères, il les fait moins chères, donc ça vaut vraiment le coup. En plus, comme vous pouvez voir, c'est le seul qui a ces coloris là. Ouais, Ah, c'est une petite fille. Hein. Et au cas où par la suite, si ça vous intéresse, moi je suis dans... On a eu des tilacoléos récemment. Donc là on est en train de faire l'élevage et aussi on est en train de faire les élevages de tigres à dents de sabre. Donc tous les autres élevages ils sont plus... au niveau des tigres à dents de sabre, la plus grande elle a plus de 200 ans. Donc au cas où si par la suite vous cherchez d'autres animaux encore plus puissants et plus âgés, bah il y en a ici. Et les plus élevés. Voilà, après le prix là c'est pas le même pour le coup, là ça fait 10 000 parce qu'en fait si vous voulez on met en place le système, on fait moins 50 bah, pour les nouveaux justement parce que moi-même au début, hein, je vais pas mentir, j'avais rien du tout. Hein. Donc je peux comprendre que c'est pas du tout facile d'avoir des animaux à haut prix. Donc en fait les premiers dinosaures pour les personnes qui viennent d'arriver on les fait à moins 50 et puis après par la suite par contre on les remet en prix normal. Donc pour un plus de 200 ans c'est aux alentours de 10 000. Voilà. Voilà, bah alors attendez, je vous libère la petite. Voilà. Oh bah dis donc, bah elle est contente. Eh bah oui, calme-toi, je sais que t'es contente, mais quand même. Et en plus, elle va super bien avec... Bah oui, ah bah j'en doute pas. Et je me doute bien que vous allez bien prendre soin d'elle, ma petite. Oh là là, ça fait bizarre toujours de les laisser au début. Ouais, mais ça va être une bonne compagne pour toute la route que je fais la journée. Ah c'est sûr, en plus je trouve qu'elle va... Ah oui, ah bah elle va faire du chemin. Surtout que je la trouve magnifique, je trouve qu'elle va très bien avec votre cheval. D'ailleurs, il est magnifique. Hein. Allez ma petite, au revoir. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Ça y est, ils vont pas tarder. Hein. Regarde, une qui est enceinte ici. Je dirais à vue de nez 78%. Ici, ouais. 84. Ici, 84. Eh, si je fais des triplets de chaque, je suis pas dans la merde. Ah, c'est sûr. T'as de la viande, on verra bien ce que ça va donner. Ouais, dans le frigo, il y en a masse. Ah, bah, ça mais va, pour des pour 3 triplés, il y aura jamais assez par contre. Bon, après, je pense pas quand même. Du coup, là, tu verras pas Tony pendant un petit bout de temps, quand même. Ah ouais? Ouais, il est bien occupé, là. Ah... Bonjour, bonjour. Avec... Enfin, rebonjour. Avec... Bonsoir. Allez, bonsoir, je ne sais plus. Bonjour, bonsoir, je ne sais plus. Bah, c'est lui, hein. Bon, à vue de nez, là, la petite, ça va pas tarder. Je dirais qu'elle est à 85%. Ça va pas tarder à mettre bas. D'accord. Ouais, si je prends l'autre. Il y a la 4 du coup, il y a l'autre qui tue le petit chien là, Wizbar, je sais pas, un des deux. Non, non, c'est pas moi. Moi tout est nickel. Je lag. Putain. Heureusement que je me suis connecté tout de suite, hein, il y en a déjà les deux avaient mis bas. Ils sont trop mignons. Là j'ai blindé plus de chacun, non c'est bon. Ah possible. Alors que tout à l'heure c'était nickel hein. Je kill le jeu carrément volant. Ah toujours. Retour il me prie, il fait bon, ah non. Pourquoi il fait on a trouvé deux castors puis on se rend où je précise. Mais qu'est-ce qu'il en tire moi je la trop. Pourquoi ça gentil va se rebaiser. Ça c'est comme si t'avais à peu près un ouais. Robot dans la gorge quoi à peu près. Jump c'est qui c'est la... Je trouve pas que ça ressemble, elle est vachement proche de Richard. Ça m'a perturbé au début. D'accord, t'as raison, putain. Essaye de... Comment ça s'appelle fais un micro dodo. Là, tu dors et tu reviens direct quoi. Ça peut-être le régler. Ouais, je crois que putain, il retourne, il y en a deux dans le sol et moi je vois moi. Tilacoléos. De toute façon, ils sont remplis de le temps que j'ai, c'est bon. Ils sont remplis, c'est bon. Mais c'est quoi cette merde? Normalement, c'est qu'on sait faire ça. Ils sont trois collés à côté des autres, j'arrive. Ils sont tous en randonnée. D'accord. J'ai une question quand ça, c'est normal qu'un coup ça se le point vert, après les vrais. D'accord. Quoi? Quelqu'un paraît au gros d'une foutille. Me voilà. C'est bon pas? Oui. En termes de voix là, c'est bon, on m'entend bien. Enfin, ça va merder. C'est bon. Ouais. Ouh, je vois que oui. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Et voilà. Ouais. Oh, ce sont des troupes. Belle trouvaille, hein. Bah si. Ah bah on a trouvé un beau petit couple. Hein. Ah oui, regarde. Les gars, c'est ça la surprise. Oh. Mais qu'est-ce que... Un gros nid. En fait, tu mets tes œufs dedans. Et le 2-2 s'en occupe. Et oui, c'est bon. Eh, ça va très bien, vous. Ah. Oh. Oh, mais il est mignon. Et rebonjour. Ah, rebonjour. Je revenais pour mon petit tatouage. Ah bah très bien, bah on va voir ça, venez. Je sais pas si je dois refermer, enfin s'il faut refermer ou pas. Oh le souverain, ça risque rien. Bon, c'est le premier qui rentre à mon avis, il va pas ressortir. Hein. Ah d'accord, ok, bon bah tant mieux. Pardon. Installez-vous sur le canapé au pire, c'est okay. La cuisine, à moins que vous voulez faire le tatouage dans la cuisine, pourquoi pas. Non. Bon, par contre c'est pas sûr que j'ai toutes les couleurs, hein. On va regarder ça mais c'est pas sûr. Hein. Bon par contre désolé, hein, ça me gêne un peu mais il faudrait que vous allumez votre eau. Parce que sinon, ah oui non, vous inquiétez pas, ouais d'accord, ok, ouais, je comprends. Ça va être normal. Un petit peu compliqué de tatouer ouais. Sur vos habits. Hein. sur le cuir c'est sûr, je fais ça. Ouais. Voilà, allez, vous pouvez y aller, bon, j'espère que ça fait pas trop mal. Ça chatouille un petit peu, hein. Non, vous inquiétez pas, ça chatouille juste un petit peu. Ah, c'est vrai que ça chatouille un peu. Ah bah c'est nickel, j'ai toutes les couleurs, hein, bah c'est parfait. Ah par contre, mince, ça a loupé. Ah mince. Oh non. Ah bah non, bah mince. Ah, il y a un problème. Ah bah alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai pas compris là. Ah oui, en effet, ah, d'accord. Bah attendez, je règle ça vite fait. Hein. Allez-y, pas de soucis, allez-y. Ah oui, oh, mais c'est quoi ce merdier? Je comprends pas. Ah bah oui, c'est bizarre. Hein. Ah oui, il me fait pas l'autre côté, en fait il me fait qu'un morceau. Ou alors attendez, je vais essayer de regarder un truc. Essayez de regarder pendant ce temps un autre tatouage au cas où. D'accord, je regarde et ça. Je vais regarder pour essayer de le retravailler. D'accord, bah je regarde ça. C'est un peu plus mieux là. Ah bah je pense que moi il faudra que je fasse un petit dodo et que je revienne parce que moi c'est transparent. Mais je pense que ça doit être à cause de ça. Ah oui. Parce mais ça a l'air d'être mieux, je regarde les lignes là, c'est joli. Ah bah vous m'en direz, ah ouais, ça descend si je vois le... Ah ouais, ça a l'air d'être vachement bien. Par contre, petite question, pour le futur, oui quand je reviendrai vous voir pour des futurs tatouages, est-ce que c'est possible que je vous donne plusieurs croquis pour en faire un seul et unique croquis? C'est-à-dire, vous savez, je vous donne un croquis pour le haut de la tête d'épaule, un autre pour le milieu du bras et un autre pour le bas du bras. C'est possible ou non? Faut que je vous donne un seul et même croquis? Ah non, vous pouvez me donner différents et moi je les assemblerai moi-même, hein. Ah ouais d'accord, ah bah dis donc c'est bien fait hein. Ah bah je vous remercie beaucoup, bah je vais vous payer tout de suite. Bah y a pas de souci. Alors attendez, je me rhabille par contre. Ah oui, rhabillez-vous. Parce que vu que la porte est ouverte, si quelqu'un arrive. Ah bah oui, attendez, je vais fermer la porte. Hop, en même temps on va allumer un peu, parce que, à mon avis ça commence un peu à cailler. Ah oui dis donc, alors attendez hein. Alors, hop. Vous m'aviez dit 100 pièces d'or, c'est ça hein? Oui. Enfin n'importe, hein, façon... moi je prends n'importe quelle somme. Ah non, bah non, faut me dire une somme. Bah là, parce que j'avais emmené que 100 pièces d'or, parce qu'hier on m'avait dit c'est 100 pièces d'or le bras. Mais ouais. Par contre, par la suite, si... Non, mais ça ira. Non, mais par la suite, si c'est... parce que je pense faire le dos et tout ça, donc si c'est plus cher, vous me dites, hein, je paye, moi, y a pas de souci, attendez. Oui. Ah oui. Bah vous voyez... Bah, attends deux secondes, juste pour donner l'exemple, Dame Kira. Ouais, ah regardez la madame. Attendez, j'arrive. Attendez. Oui. Ah, voilà, vous voyez, j'ai fait les tatouages tout sur le corps, voilà. Ouais, et du coup, si elle serait habillée, bah du coup, ça se sauverait pas. Et le problème de la chemise transparente, c'est quand on la met, nous, sachant qu'on est des femmes, on voit tout. Et du coup, il y a une espèce de carré tout flou et c'est pas regardable. Bah ouais, bah là, c'est joli. Attendez, je me permets de regarder un petit peu. Attends. Ah ouais, c'est joli, hein. Et encore, il m'en manque. Oui, bien sûr, un peu de réponse. Ah ouais. Oui, y a pas de souci. Mais moi en fait c'est ce que je disais aux messieurs, vous voyez, j'ose pas me enlever le haut, vous voyez, me trimballer sans, alors que pourtant bah c'est dommage de cacher ces tatouages. Mais le problème, c'est que je ne vois pas pourquoi vous auriez honte ou quoi. Les hommes le font bien. Pourquoi est-ce que nous nous cacherions? Un corps est un corps. Il faut ah mais je sais bien, mais si c'est pour que je me prenne la tête avec quelqu'un, vous savez, moi j'ai le sang chaud, ça va vite dégénérer. Mais vous leur mettez 2-3 patates. Mais justement, vous allez voir, ça va les calmer. Moi j'ai vu des hommes. Avec les hommes, ils ont la langue bien pendue, ça boit, ça boit, ça boit. Tu fais bien Pedro, voilà. Nous on ferme les yeux. Non, non, mais les yeux. Moi je suis... il suffit de les dresser comme ça. Pedro, on l'a bien dressé, il est sage, il faut faire pareil. Je suis pas dressé, moi. Ça suffit, toi. Je suis juste poli avec les femmes, c'est pas pareil. Attention, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Alors doucement, j'ai la peau dure. Autant que tu veux, ça me frappe mal. Dis pas que vous avez la peau dure quand même, vous saignez quand même, dis pas le contraire. Ouais, j'ai la peau dure. Mais il fait le cacou là, un petit peu, mais bon. Donc bon. Cacou, je fais le cacou, je suis la peau dure, je m'en fous. Mais toi, tu vas dormir dans une cage hein, cette nuit, ça suffit hein. Oh, je dors déjà dans une cage, je rassure. C'est vrai. Tu seras privé de manger. Bon, moi j'y vais. Bonne soirée à vous. Pas de soucis, Domkira. N'hésitez pas si vous avez besoin de votre tatouage. Oui, pas de soucis, je reviendrai vous voir. Je m'en occuperai. Il n'y a pas de problème, bah, je vous remercie beaucoup. Oui, dites-moi. Félicitations, j'ai cru entendre dire que vous alliez vous marier. Ah, qui c'est qui a dit ça? Oula, je crois que c'est une fausse information. Du coup. Non, bah en fait, non, mais tout est parti de Monsieur Latour qui s'est enflammé et qui a... Ah bon, bah voilà. Il s'est enflammé, du coup, il a programmé carrément un mariage. Mais je pensais qu'il parlait de ça pour rigoler. Donc je lui ai dit, écoutez, on verra. Parler du mariage. Bah, écoutez, je lui ai dit déjà, bah, il veut me marier tout de suite à Monsieur Katsumoto. Je lui ai dit déjà qu'on apprend à se connaître et on verra après. Non, donc lui, il est tout de suite pressé. Monsieur Katsumoto doit aussi se marier avec Madame Usera, si j'ai bien compris. Ben bah, oui, bah c'est voilà, mais c'est Monsieur Latour qui s'enflamme alors qu'elle-même, la pauvre, elle est pas au courant. C'est pareil, c'est comme moi. D'accord, bon. Donc du coup, lui, il s'enflamme et puis ça y est, il est en train de tout programmer. D'accord, bon, alors excusez-moi, c'est une fausse information. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bon, allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Domkira. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Oh, attendez, j'ai cru voir quelqu'un. Un peu de raton laveur. C'est qui? Oh, bonjour. Bonjour. Monsieur Latour. Bonjour. Rentrez, pas de soucis, monsieur. Merci. Je vous ai pas reconnu. Vous avez des drôles de façon d'accueillir les gens. Mais non, mais je vous explique. C'est parce que votre collègue, monsieur Gorator, m'a tatoué. Donc du coup, il m'a dit qu'il fallait que je laisse un petit peu respirer parce que le problème, c'est que ça va se coller à mes vêtements. Donc là, je reste torse nu pour le moment. Et là, monsieur Gorator? Oui. Oui, il est chez lui, parce que je l'ai croisé tout à l'heure, il m'a tatoué, donc c'était il y a 10 minutes. Non, mais du moment qu'il est pas dans le village, moi ça me va. Oh bah pourquoi? Dites-moi, vous avez pas quelque chose pour 4000 pièces d'or? Un animal ou quoi que ce soit? Ah, alors attendez, je vais regarder, pas de soucis. Un raptor? Anto, t'es où? Vite, il veut acheter un truc... Et des box en fait. Ah, Tony, bah t'es là, tiens. Viens donc, le monsieur va te... Il cherche quelque chose, un animal pour 4000 pièces d'or. Et pourquoi non? Pourquoi 4000? C'est mon fonds de retraite. D'accord. Ah. Ah bah venez voir, d'ailleurs il y a eu des bébés. Bah, qu'est-ce qui vous intéresserait? Et n'importe, un truc qui pourrait me défendre. Regardez, j'ai eu des jumeaux loups. Un bébé Titi. Et un bébé chien. Enfin, vache. Oui, vache. Oui, bah, je m'en fous, je suis plus de la police. Vous faites ce que vous dites, ce que vous voulez. Vous êtes plus de la police? Non, c'est une longue histoire. Oh non, non. D'accord, bon alors, pour 4000, Tony. Quelque chose qui pourrait défendre le monsieur. Là, on a des bébés loups qui ont 131 ans. Vous avez pas un truc déjà assez grand que je puisse pas... Ah, adulte? Ok, d'accord. Oh là, bah le mâle, vu que tu devais garder un de tes petits, tu peux lui passer le mâle. Tu l'as là. Oui, alors, tu peux à la limite. Loups, vu qu'on en a 4, je vais pouvoir, je dois garder 2 femelles et un mâle. Alors attends, je regarde juste un truc, toc. Donc ici on a un mâle qui a 169 ans. Et ici on a le mâle qui a 154 ans. J'ai juste 4000, vous donnez ce que vous voulez pour les 4000 et puis voilà, il faut que je parte au plus vite en fait. Il est gavé là. D'accord. Bah écoutez, Ouais, donne-lui celui-ci, hein. Ah, attends, il y a un petit problème. Voilà. Ah, c'est l'autre qui voulait pas enlever sa tête. Celui-là, ça vous ira? Oui, parfait. Du moment qu'il me défend, parce que le cheval, il est pas très... Ah, cool. Il va bien vous défendre. Vous inquiétez pas, il va vous défendre. Eh ben, écoutez, du coup, ça... Alors, attendez, il faut que je regarde les prix. Ah, il a pas les prix des loups dedans. Pas si c'est le même prix que les tigres, non? Non, c'est différent. Mais il va calculer pour le monsieur, t'inquiète pas, comme ça le monsieur, c'est bon. Allez, celui-là pour les 4000 et c'est parfait. Ah, c'est gentil. Ah, je vous donne ça tout de suite. Ouais, il est grave pressé et tout. Voilà, 4000 ans. C'est pas grave. Regarde les détails du tatou. Et du coup, vous pouvez poser votre table comme vous voulez. Et voilà pour vous. Ah, c'est génial, c'est génial. En plus, il a un coloris unique, hein, celui-là. Hein. Il a un poil très doré. Ah, c'est génial. Et bien voilà pour vous. Et vous inquiétez pas, il vous défendra bien celui-ci. Celui-là, ouais, il va être bien costaud. C'est génial. Vous voulez que je vous ouvre la porte? Celle de derrière, oui, s'il vous plaît. Ouais, pas de soucis. Attendez, il y a votre... vous n'avez pas votre cheval? Non, non, je viendrai le rechercher plus tard. Faut vraiment ouvrir la porte de derrière, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Vas-y, ouvre. Merci. Oh putain. Il y a des personnes qui viennent passer au-dessus. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Ouais, la force. Ouais, la force. Bonjour. Vient de passer par là. Le monsieur vient de passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Par ici, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était rudement pressé, hein. Il se passe quoi là? Il a laissé le cheval et tout. Tiens, mets-le dans le box. Attends, viens, ouais. Viens, viens. Hiro, mets-le dans le box ici, là. Mets-le là en attendant. Il est cheeky, lui, en plus, là. Ah bah attendez, je crois qu'il y a monsieur Katsumoto. Ah bah bonjour. Attendez, je me dis pas de canon, c'est bien monsieur Katsumoto. Ouais, c'est monsieur Katsumoto. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout à fait, c'est de moi. Et félicitations pour votre augmentation. Hein. Merci. Ah oui, félicitations. Merci. Par contre, monsieur Katsumoto, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'ai vu votre collègue courir, qu'est-ce qui s'est passé? Bah on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que monsieur Latour a quitté les rangs de la police et on... Oh, d'accord. On pense qu'il va peut-être essayer de rejoindre dans le sud. Ah, d'accord. Il a quitté brutalement? Ah, oui. Ah bah écoutez, il est venu m'acheter une boîte très vite pour s'enfuir. Bah nous, alors écoutez, ouais, alors il est venu et en fait il nous a dit il me faut quelque chose pour 4000. On lui a demandé qu'est-ce qu'il y avait, il a pas voulu donner d'informations. Il a vu notre loup, il a dit je l'achète et il est parti aussitôt. Et il a dit vous pouvez m'ouvrir la porte s'il vous plaît, du coup bah, on a ouvert, il est parti. Et après tout de suite j'ai vu... Ouais. Bah en fait il a pris la grande porte et du coup bah au moment où on a fermé la porte j'ai vu votre autre collègue arriver justement pour dire où est-ce qu'il est monsieur Latour et moi je le savais pas à ce moment là. C'est quoi sur la gueule lui? Pourquoi il a dit? Ça c'est... Ah oui état, que ça. D'accord. Et du coup il a décidé de... Et il a quitté brutalement, il s'est passé quelque chose ou pas? Par naissance on va dire, il en a averti le roi. D'accord ok. Trahison. D'accord. Faites attention par contre parce que le loup qu'on lui a donné est assez costaud quand même, il avait 165 ans. Hein. Par contre on savait pas ouais donc... le loup qu'on lui a vendu, pas donné hein, bien sûr. Hein. Oui tout à fait. Donc faites attention au cas où quand même. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Bah bonne journée à vous messieurs. Et merci. Bonne journée, la porte est ouverte, hein, allez-y. Oui je sais, il faudrait qu'on repart la dame Kira. Pas de soucis. À plus tard. À plus tard. Dis donc, mais il se passe quoi là? Oh la vache! Je sais pas.